On est avec Corinne. Bonjour Corinne. Corinne, vous m'entendez ? Oui. Ah, oui, bonjour Corinne, bienvenue sur RMC. Vous nous appelez de Marseille. Comment ça va Corinne ? Vous n'avez pas vraiment réussi à dormir cette nuit encore ? Encore. Ouais. Ça fait 15 jours que je ne dors plus en fait. 15 c'est jours c'est les insomnies de l'angoisse. Hein. L'insomnie de 2 heures du matin qui vous empêche de dormir et puis qui vous laisse exsangue pour la journée, stressé, vous broyez du noir. Et donc, vous êtes encore plus angoissée la nuit suivante et ça ne finit pas, quoi. Oui, c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce qui vous angoisse, Corinne ? Moi, j'ai un commerce qu'on a fermé. J'ai 9 salariés. Je ne vois sincèrement pas comment on va s'en sortir. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Les collections de vêtements qui sont dans le magasin, on ne les vendra pas. Il va falloir payer les factures à un moment donné. C'est impossible. Donc, c'est l'angoisse. Ça monte, je me dis, j'ai trouvé de licencier, j'ai trouvé peut-être de fermer. Vous avez combien d'employés, Corinne ? 9. J'ai 9 salariés, toutes des jeunes femmes avec des enfants en bas âge qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que ce n'est pas des gros salaires dans le commerce. Hein, on n'est pas. Donc elles aussi, elles ne vont pas bien du tout et je ne sais pas quoi leur dire pour les rassurer parce que je n'ai pas de... Enfin, la visibilité que j'ai est tout à fait nulle et on va dans le mur, c'est sûr. Vous les avez mises au chômage partiel pour l'instant ? Au chômage partiel, mais il faut quand même avancer la rémunération. Et ça représente une grosse trésorerie, 9 salariés. Et puis les charges sociales, elles sont toujours là. Et les fournisseurs qu'on n'a pas payés encore, qu'on a la gentillesse de repousser à 60 jours, il faudra bien les payer un jour. Et on fait zéro de chiffre d'affaires. Donc, bref. Et les aides. Mais bien sûr. On ne voit pas le bout. C'est ça qui est difficile. Mais je recevrai tout à l'heure Bruno Le Maire à 8h30. Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, que les aides que met en place ou que promet l'État pour l'instant, ça vous aide vraiment ? Est-ce que c'est suffisant ? Si vous voulez, moi, j'ai conscience du coût exorbitant que ça va pour la nation. Donc, je me dis qu'ils ne peuvent pas tellement faire plus. Sinon, on ne voit pas comment on va payer ça. Mais non, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, comme je vous disais, toutes les charges qui sont repoussées, c'est très bien. On repousse les charges sociales de 2 mois, parfait. Mais à un moment, il faudra les payer. Mais bon, faudra finir par les payer. C'est ça le problème. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de sous qui rentrent. On vous fait des prêts, mais les prêts, il faudra finir par les payer. On vous donne gentiment 1 500 € d'aide. Moi, j'ai 23 000 € de charges fixe tous les mois. Donc l'avance de trésorerie, c'est ça qui est dur, quoi, là. C'est que vous allez devoir... L'avance de trésorerie, et puis le fait de savoir qu'il y a un moment, il va falloir payer les factures et qu'on n'aura fait aucun chiffre d'affaires alors qu'on était supposé rentrer dans la saison haute. Moi, je fais de l'esthétique, beaucoup. C'est à partir du mois de mars qu'on travaille jusqu'au mois de septembre, et après, on a la saison basse. Donc, en plus, on sortait de la saison basse, donc avec une trésorerie très basse. Corinne, on peut espérer qu'en sortant justement du confinement, les gens vont avoir besoin, envie de venir dans les magasins, de consommer, de retrouver aussi une joie de vivre, un bonheur, et puis de dépenser les sous qu'ils n'auront pas dépensés. Oui, on peut l'espérer, mais si vous voulez, on ne peut pas faire plus que de rester ouvert 10 heures par jour. Donc il y a un moment, le chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait, on ne le refera jamais. Et puis vous aurez quand même besoin de reprendre des forces, Corinne, si vous n'avez pas dormi. Oui, et je me dis ça. Je me dis, en plus, je vois arriver le moment de la réouverture. Je me dis, mais je vais exploser en vol parce que tout d'un coup, la charge de travail va être énorme. Et puis, on perd le rythme. On a beau essayer de se dire, on se lève le matin, on fait un peu d'exercice, un peu de méditation, un peu ci, un peu là, on perd le rythme, on se ramollit. Et moi, je me dis, quand ça va reprendre, ça va être terrifiant. Donc, non seulement je suis fatiguée, mais en plus, intellectuellement, je sens bien que je tourne en haut. Mais vous verrez, vous serez à la hauteur. Hein. Vous serez à la hauteur, Corinne. Courage. Courage. Vous avez plus le sourire qu'au début. Vous avez plus le sourire qu'au début du coup de fil. Je vous sentais au bord des larmes, mais là, Je vis seule, donc je parle à personne. Donc, On est là. Tout ça, je le garde sur moi, quoi. Enfin, voilà. On est pleinement là. Courage. Et puis, si vous retrouvez le sommeil aussi, vous nous rappelez pour nous le dire. Faut aussi appeler pour les bonnes nouvelles et quand on renoue avec les bons moments. Courage, Corinne.